plane pour moi, 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 ça plane pour moi. So you are the guide. Yeah. And what's your name? I am Ling. Lee. Yeah. If you want to visit on this lake, you can see everything on this area about the Phuong Kaeva, about the waterfall, and many bats. You know Batman? The bat, okay. Yeah. And you have some tribes, right? Like the Hmong? Ah, the Hmong, Zhao, Red Zhao. The Thai, the Hmong? Yeah, okay, minority. Yeah. Yeah, they live on the forest. And when you visit on the lake, you can see some village on the in the bank of the river with the Hmong Thai now minority. They live there. And how many village? How many village? Yeah, it's about 15 villages in this area in Ba Bể National Park. 15? Yeah, 15. And how many people in the tribes? It's about 7,000 people. 7,000? Yeah. Wow. Because in this area in Ba Bể National Park, it's very, very large. Okay, thank you, Lee. Yeah. See you tomorrow. Yeah, see you. Bye-bye. 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 Good night. Alors nous pouvons observer un départ en trombe assez incroyable, un démarrage en trombe. En catimini. Il prend l'angle de 90 degrés. T'imagines le rêve d'habiter là? Je préfère ici à Long, quand même. Ouais, grave. Vous entendez les moustiques? Ouais. Les moustiques? Les moustiques. Oui, tu sais, ces petites bêtes qui volent et qui se piquent. Ouais. J'ai mis une anti-moustique. Hein. Sur le lac Ba Bể. Ouais, on est sur le lac Ba Bể, alors c'est l'un des plus beaux sites du Vietnam du Nord. Donc voilà, c'est l'un des parcs naturels les plus beaux du Vietnam. Donc là on est parti en petit pirogue à moteur faire le tour du lac et ensuite on va s'arrêter dans un village ethnique. Ouais. Ok, un village ethnique où c'est l'ethnie des Thaï. Il y a trois ethnies principales et nous on s'arrête dans un petit village
On va un peu marcher dans les rizières pour les rejoindre et passer la nuit là-bas, et après, on rentre à Hanoï pour ensuite découvrir le sud. Ben, merci.